Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien, moi perso ça va super. Aujourd'hui on est à Disneyland Paris pour deux vidéos en une journée. Et aujourd'hui on va être dans la partie pour Halloween parce que évidemment c'est quand même le début d'Halloween. C'est une de mes saisons préférées. Je suis accompagné de Fab. Salut. Et de Léa. Pour ceux qui connaissent Léa, les anciens, les puristes, vous savez c'est qui. Enfin bref, j'espère que cette vidéo va vous plaire. On est impatients de découvrir cette saison qu'on adore. Allez c'est parti. Bon et du coup au programme évidemment pour la saison d'Halloween, il y a la cavalcade qui est à 12h30, donc on va la faire évidemment, c'est la même que l'année dernière, mais on va voir s'il y a des petites modifications, c'est important de savoir. Mais il y a également un nouveau show avec Ursula et ça sera au théâtre du château et ça je suis impatient de découvrir ça. Évidemment on va aller manger ce midi au Hyperion, il y a un nouveau menu avec un burger vert, curieux de découvrir ça. Voilà, plein de nouvelles choses et j'espère que cette saison va vous plaire. C'est très clairement, moi j'adore, je suis en folie. Après la magnifique saison du Roi Lion, bah clairement voilà, je suis curieux de voir ce que Disney nous a prévu. Comme chaque année, on peut retrouver durant la période d'Halloween les personnages comme vous le savez. Et là en ce moment, il y a le Cheshire comme l'année dernière, il y a plein d'autres personnages. Et je crois que la star de cette année, la nouveauté, c'est Max en tenue d'Halloween, c'est ça? Elle a osé me dire c'est moi alors qu'elle va en Floride. Bon du coup on attend le spectacle de la cavalcade comme l'année dernière, je suis impatient de la découvrir, ça va être trop bien, j'adore cette saison, j'adore. Bon du coup le show de Halloween forcément toujours top. Il y a eu des modifications au niveau du son, au niveau des costumes, ils sont trop beaux les nouveaux costumes. Enfin les nouveaux, il y a un nouveau costume, il y a Minnie, mais il y en a d'autres également au niveau des personnes qui dansent avec elle. Enfin voilà, ils sont super sympas, j'ai beaucoup aimé. Et malheureusement on n'était pas du bon côté donc j'essaierai de le filmer sur d'autres angles. Vous aurez vu de toute façon si c'est possible ou pas. Et là on va manger le nouveau burger à Hyperion, un burger vert. Donc j'espère que c'est bon, on est parti. Du coup on prend le menu Halloween, un hamburger qui est vert, voilà. Ça a l'air sympa, on va goûter ça avec une petite citrouille en guise de Mickey, t'as vu? Eh bolos. Hein, le petit. Il est comme ça. Bon du coup nous sommes à Hyperion, le menu est à 16,99€. Avec la petite citrouille, on gagne la petite citrouille comme elle est mignonne. Ça dérange pas ce que
dégueulasse, il y a le papy là-bas. Elle est trop mignonne. C'est du chocolat noir du coup, ah, c'est du coup, oui. Ah mais j'ai entendu pipi. Bah on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais c'est bon. La sauce est bonne. C'est très vert. Ça fait très cornichon. Peut-être une sauce au concombre, non? Je sais pas. Mais non, ou cornichon pour concombre. Elle pense que c'est une sauce au cornichon. Ok. Bon, du coup, c'est pas mal. Mais je suis très curieux de découvrir la citrouille qui est au chocolat noir, par contre. Ça va que ça change. Ouais, c'est tout ça. Et des êtres malfaisants. Welcome to the world of mischief, dark magic and wickedness. Tout le monde a son méchant favori. Qui est le vôtre? Il est temps qu'Ursula prenne les choses en main. Nous voilà. Aujourd'hui, c'est notre jour de chance. Êtes-vous prêts à nous rejoindre? Are you with us or against us? Méchant, méchant. There you are. Ready for our evil celebration, I see. Cause I'm the boogeyman. And if you aren't shaking, then there's something very wrong. Cause this may be the last time that you hear the boogie song. Trust in me. Croyez en nous. Ha ha ha!
thing that still persists. The dark is a day. Are you brave enough to face the feelings falling apart? Are you brave enough when spirit voices cut the cord? Are they real or just imagined? Maybe nothing ever happened. Maybe it's somewhere in between. Tell me now, are you brave enough? Are you really sure that you've got the stuff to face what can be said? J'arrive. Oui, j'arrive. Bon, vous avez vu, on a rencontré Radcliffe. Alors un gros coup de chance que c'était pas du tout prévu. Et on s'est mis et puis j'ai commencé à le filmer et il est voilà. Bon et du coup en fait j'ai pas pu vous filmer la rencontre parce qu'il fallait aller vite etc. Mais je le ferai prochainement, mais c'était trop bien du coup. Et voilà, et puis on a des belles photos quand même je pense. On a des belles photos. Bon du coup en vrai le spectacle. Bon et du coup le spectacle on a pu le voir là bien et on a filmé. Et bon, Léa et moi on est plutôt du même avis. C'est qu'il est très bien, je sais pas si t'es du même avec nous mais du coup on va voir. Il est très bien mais malheureusement... La musique on aimait trop nous les anciennes. Alors oui évidemment vous allez dire oui mais du coup ça fait du renouveau, c'est bien, c'est cool. It's good to be bad. Oui mais je sais pas, it's good to be bad c'est la base d'Halloween quoi. Là il manque du groove, là, il manque quelque chose. Ouais c'est ça en fait. C'est que des chansons de vilains réinterprétées là. C'est bien mais il manque un peu de... Voilà, c'est ça. Et je trouve que les autres vilains sont un peu trop effacés. Que tout est trop centré sur Ursula. Et du coup ça fait que les autres sont un peu trop effacés. Et je trouve ça un peu dommage alors que dans les anciens spectacles, bah tout le monde était à la même hauteur en fait. C'est-à-dire que même des fois une Cruella elle pouvait être à la même hauteur qu'un Gaston quoi. Mais c'est ça qui était trop bien. Aussi la rencontre des personnages derrière, il y en a moins. Genre moi qui suis une grande fan de Javotte et Anastasie, elle adore Javotte et Anastasie, elle voulait une photo avec eux. Peut-être que plus tard ils vont faire autrement, on sait pas, on verra. Mais et du coup toi t'es du même avis ou... Moi j'adore le spectacle. Bon, bah, je trouve ça vachement bien de la mettre en avant Ursula parce que c'est un personnage qu'on voit pas. Ah bah oui, non et bah ça oui. Ça me dérange pas qu'elle soit au-dessus des autres puisque de toute façon elle est au-dessus des autres. D'accord, elle est au-dessus des autres. Mec. Bon les amis, du coup cette première journée sur le thème d'Halloween est bientôt terminée. Franchement, c'était une super journée. J'ai pas pu vous montrer tout ce que j'avais à vous montrer évidemment. Il y a encore de la food qui va arriver, des rencontres avec les personnages, mais également les décorations. C'est vrai que là vous les voyez, mais on n'a pas vu énormément de décorations. Mais voilà, je peux pas tout vous montrer non plus. J'avais envie de profiter un petit peu, mais là c'est sûr que lundi, mardi, je vais sûrement revenir sur le parc, donc vous inquiétez pas, il va y avoir encore plus de vidéos, encore plus de vlogs, encore plus de tournages, donc à ce niveau-là, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, si vous avez des envies de vidéos pour la saison d'octobre, n'hésitez pas à me le dire, ça sera toujours intéressant de savoir vos avis, savoir ce que vous avez envie de voir. Je vais essayer d'aller voir Fab et Léa s'ils ont énormément aimé cette journée. Je sais pas où est-ce qu'ils sont, je vais les rechercher. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Alors du coup, vous avez bien aimé cette journée? Cette journée Halloween était cool? C'est toujours bien, oui. Bah elle, à partir du moment où c'est Halloween, elle est contente, donc voilà. Ça devrait être Halloween toute l'année. En vrai, ouais, franchement, ouais. Vous voyez, je disais que la saison du Roi Lion, ils avaient fait un truc dingue, c'était une des meilleures saisons. Mais Halloween, c'est tellement mieux, en vrai. Enfin, juste l'ambiance d'Halloween, c'est ça qui est ouf. Du coup, voilà. Bon, on va aller sur ce... aussi, ouais, nous, on va les manger maintenant. Bon, sur ce, les amis, moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver. Alors, pourquoi pas vous ?